Et re-salut tout le monde, bienvenue sur Misoni TV, la chaîne gaming, et on se retrouve une fois de plus sur la Terre du Milieu, l'Ombre du Mordor. Cette fois-ci, c'est pour le 6ème épisode. Hop, en compagnie de Talion. Et nous allons nous rendre sur la mission, tout là-haut, je viens d'oublier le titre, les Exilés. Allez, zou, c'est parti. Eh ben non, c'est à l'opposé. C'est plutôt par là-bas. Il y a une petite plante à prendre par ici. Quelque part par là. Ah là. Ici. Hop. On repasse par le pont. Bon, on va y aller. Ce sera plus rapide. Ah, il y a une fleur bleue en dessous. Je crois que j'en ai besoin. Je sais pas si c'est la bleue ou la jaune qu'il me faut. Par ici. C'est ça. C'est bien les bleus qu'il me faut. Donc une sur quatre. Il y a une deuxième par ici. Elle est en haut. Il y a une entrée par là. Non, non, elle est bien en haut. Hein. Ok, donc les bleus. Sous les ponts. 2 sur 4. Allez, monte. Meurs en silence, s'il te plaît. Allez, vitesse grand V. Merde. Bloqué par un rocher. Ah, tu m'as pas vu passer, hein? Eh ben, t'es mort. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Les bleus posent sous les ponts. Il y en a une autre ici. Descend mètres. Ouais, l'entrée est par ici. Ça y est, on est arrivé. Allez, zoom. Accepté. Content de te revoir. Celui-là nous a fourni des informations utiles avant qu'on lui tranche la tête. Ces soldats ne savent rien. On perd un temps précieux. Tu es sérieux? On a appris où il garde notre poudre explosive. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de poudre explosive? C'est là que j'interviens, cher ami. Tout ce qui peut nous mener à la main noire m'intéresse. Tu es si impatient de le retrouver. Je ferai tout pour t'aider dans cette quête. Avec un peu de chance, les Uruks n'ont pas encore découvert les secrets de la poudre explosive. Il faut libérer mes hommes pour le savoir. Tu crois que la poudre explosive peut attirer la main noire? Je l'espère. L'ennemi se rassemble au creux des Uruks, où beaucoup de mes hommes sont esclaves. J'espère y trouver aussi Erin. Je vais m'occuper des Uruks. On pourrait tenter une approche plus discrète, en utilisant leurs points faibles pour les neutraliser. Le grog. Tu connais l'Itlas? C'est une plante toxique, parfaite pour une chose. Empoisonner les orques. Suis-moi. Quand j'ai déserté de la Porte Noire, je suis tombé malade. C'est Erin qui m'a soigné. C'est pour elle que tu as rejoint les hommes des tribus? Elle compte par-dessus tout pour moi. Il n'y a pas tellement de camps où ils ont pu emmener ma femme. Tu crois qu'elle sera dans celui-là? Mon cœur me dit que oui. J'espère sincèrement qu'elle y sera, Irgon.
Ah, ben ils ont arrêté de parler. Sois prudent, rôdeur. Récupérer les trois herbes. Ok. Donc va falloir récupérer des herbes pour empoisonner. Une, deux. Donc faudra récupérer les herbes pour empoisonner les ourouks. Reste baissé. Qu'est-ce qui se passera après le retour du Seigneur des Ténèbres? On se battra plus, voilà. Donc je disais, faudra récupérer les herbes pour empoisonner les ourouks. Quelqu'un rôde dans les parages. Et ensuite, il faudra aller sauver sa femme. Non, tu sonnes pas l'alerte. Tu crèves. Merci. Putain, vous allez tous sortir. Merde. Hop là. Ouais, genre t'arrives à la fin toi. T'es un type comme ça, hein. Je pense que c'est ça la dernière herbe. Non. Ouais, c'est ça. Je vais demander à l'armurier de me faire un don. Au cas où l'immortel voudrait prendre ma tête. Et alors? J'ai pas pris l'autre? Ah non, je l'ai pas prise. C'est bon. Il y a d'autres plantes plus loin. Suis-moi. J'étais tellement concentré dans le combat que j'ai pas pensé à l'herbe. J'ai fait du troc avec un inventaire. Sa poudre contre nos empreintes. Et c'est plutôt équitable, non? Tu te révèles être un bon chef, finalement. Pour un déserteur. Uniquement parce que je laisse des hommes comme toi faire le plus dur. On avait remarqué, hein, figure-toi. Le mec arrive à la fin de la baston. Oh, un os de jambe. Bon, il n'y a personne, mais je sais pas pourquoi il marche comme ça. Allez, plus vite. Au Mordor, même les fleurs sont mortelles. Il y a des choses bien pires que des fleurs ici. Mmh. Récupérer les herbes pour le poison. Bon, il y a une bait par là-bas. Donc on va s'en occuper déjà, hein. Pardon. Croix. Allez, descendre. Alors, elles sont où nos fleurs? Il y en a une ici. Non, c'est pas ça? Merde. Ah non, elles sont là-bas. Et de deux. Bien. Je pensais le retour de Sauron totalement impossible. Les ténèbres tombent sur le Mordor. Il sera bientôt impossible d'y résister. Quand on a compris qu'on ne pouvait pas combattre les orques, on s'est déguisé en esclaves pour se glisser dans leur camp et libérer les autres. Une stratégie audacieuse. Pas vraiment. On avait toutes les chances de finir esclave. Au moins, on y était préparé. D'ailleurs, en parlant du Mordor, il y a le... Ils m'ont dit que tu dirigeais le groupe envoyé pour ramener ma tête. J'étais volontaire. Si tu t'étais fait capturer, les rôdeurs t'auraient tué. Je ne pouvais pas laisser ça arriver.
Ça y est, ils ont fini? Bien, donc je disais, en parlant du Mordor, il y a le Hobbit qui va sortir, le troisième épisode qui va sortir en décembre au Cinoche. Là-haut, on a presque assez de poison pour notre plan. J'ai vraiment hâte de voir ces effets de près. De quoi là-haut? Là, il y en a une là. Et l'autre, qu'est-ce que c'est? Il y en a une autre par ici. Lâche le pilier et une autre par là, ok. Mais je comprends pas pourquoi il est dit là-haut en tout cas. La dernière est ici. Allez, récupère. Pardon. Bien, va falloir le suivre. Ça devrait suffire. À présent, il ne te reste plus qu'à mettre ça dans leur grog. Les orques ne vont pas sentir le poison? Non. Mais s'ils te repèrent, je doute qu'ils le boivent. Ok, va falloir être furtif. Les orques sont postés près des portes principales. Pour le bien de mes hommes, reste dans l'ombre. Je vais rassembler mes hommes. On se tiendra prêt à prendre la poudre explosive une fois le camp dégagé. N'oublie pas Talion. Évite de te faire repérer. Bon, il y en a. Ces ont tué beaucoup d'esclaves pour moins que ça. Appuyez sur R1 pour empoisonner le fût de Croc. Ok. Éliminer 5 orcs. Et furtivement, pardon. Donc il y en a un en haut, on va s'en occuper de suite. Ça en fait un. S'il y en avait un à gauche, ça veut dire qu'il y en a un à droite. Ouais. Non, faudra surtout pas y aller. On va se faire repérer sinon. Hein, j'en ai kill qu'un seul furtivement. L'enfoiré, il a failli me flag. Tête qui roule. Il y en a un en bas là. Ça en fait deux. Ah,
Oh non, il est pas tout seul. Ok, ils sont deux par ici. Il est où l'autre? Ah, il est monté, ok. Hein, qui c'est qui me voit là? Ça c'est fait. Allez. Oh, quelle puanteur! Comment font-ils pour ne pas le recracher? Il y en a un qui arrive en courant. Attendez, je sens quelque chose. Voilà. Mission terminée. Point de compétence gagné. Qu'est-ce que c'était? Voilà. Et on va continuer. On va se faire encore une mission. C'est par où pour dézoomer? Voilà. Alors on est par ici. La prochaine mission principale, elle est par là. Et ça s'appelle le monument des ténèbres. Allez, où on va le faire? Non, 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 je te laisse partir. Mais par contre, tu crèves. Merci. On a notre petit talion qui a eu mal au cœur, enfin qui a eu une pincée au cœur en voyant la femme de l'autre. 1 sur 1, ici c'est fait. Allez, monte. Toujours tout droit. Pourquoi il a sorti son arme? Allez, barrez-vous tous. Allez, on s'y remet. Le tueur doit déjà être... À tes côtés, ouais. Rodeur, merci.
Si de rien. Pas trop demandé, vous pourriez aller sauver mes ivrognes d'amis. Ouais. Ça tire toujours des ennuis. Dès que j'aurai du temps. Et hors vidéo. Non, barre-toi. Enfin, fais semblant de te barrer. Parce que tu pourras pas aller plus loin. Alors il me faudra drainer quelqu'un. Non. C'est donc toi que je vais drainer. Reste ici, petit, reste ici. Hop là. Merde. Il est mort ? Et merde. Je vais pas le jeter. Ah, un pont, je vais avoir une fleur bleue. Ouais. Défi rempli. Yes. C'est quoi cette petite bête là? Allez, barrez-vous de là. Reviens. Rond. Voilà. Avec tout ça, j'ai même pas vu s'il y avait un second défi. Enfin, pas grave, hein. On verra bien plus tard. Hop. Allez, R1. Le monument des ténèbres. Détruisez le Gotor ou Gofor pour attirer le Capitaine Noir. Les Capitaines Noirs. Je ne sais pas. Tu as vu de quoi étaient capables ces monstres? C'est de la folie de rester ici. Oui, mais les circonstances ont changé. Tu ne vois pas qu'il est de notre côté maintenant? Pourquoi voudrait-il nous aider? Il y a des semaines, c'était notre ennemi. Talion, tu es prêt pour la bataille? Je ferais bien d'apporter ces bandages aux autres. Les orques construisent un monument en l'honneur de Sauron. On a suffisamment de poudre pour le faire sauter. Bien. Il est grand temps d'en finir. Tu ne partiras pas sans moi. Je pensais que tu te contenterais de sauver ta femme. Moi aussi. Allez, partons avant que je change d'avis. Il faut pardonner à Erin. Son cœur est avec notre peuple. Les esclaves que tu nous as aidés à libérer m'ont indiqué le point faible du monument de Sauron. C'est là que nous frapperons. On va devoir voler un chariot de grog aux Uruk. Ce sera une amorce parfaite pour la poudre explosive. Allons-y. Descends. Les Gulls s'en prennent aux Uruk. La noirceur de la nature est indomptable. Le chariot est plus loin. Tiens-toi prêt. Quand il y a du grog, il y a des Uruk. Quand j'en aurai fini, plus aucun Uruk ne respirera. Tu as ma parole. Dégagez la zone et détruisez les chariots. Il y en a un en haut. Il y en a un autre en haut là-bas. Quand tu patrouilles près du creux des Uruk, n'oublie pas de regarder en l'air au cas où. Ouais. On raconte. Je ne raconte rien du tout. L'étincelle de notre révolte.
Allez, monte. Allez. Et deux, trois. Je vais pas l'avoir de là. Deux, quatre. Merde, il s'est barré, l'enfoiré. Il est où le petit dernier? Ah, là-haut. C'est bon. Excellent, Talion. À présent, veillons à ce que nos hommes puissent pousser le chariot sans risque jusqu'au monument. Mmh. Et ça te dérange pas que je pose, que je monte une bête comme ça, non? Va redescendre peut-être pour continuer. Être la proie des ombres. Allons-y. Chose se cache dans le noir. Des gules! Ils vont tous nous dépecer! Quoi, c'est tout? J'en voyais une centaine, moi. Oh là là! Il a stressé pour ça. Le camp des Uruk est devant nous. Tue-les tous pour que mes hommes puissent passer. Si tu as besoin d'aide, je serai là. Fermez-la un peu. On l'aura bien assez tôt, notre combat. Oh. Le forgeron est incapable de réparer mes armes correctement. Et de 1. Kotug dit qu'il a sauvé un capitaine noir d'une attaque de gros vampires. Je sais. Et de 2, il y en a un en haut. Ah ouais.
C'est lui qui essaie tout le temps de m'avoir. Et 2-3. Qu'est-ce que c'était? Vous croyez qu'on avait réussi à maîtriser les gueules? Mission accomplie. Non? Oh non, il en reste un. Bon, ça suffit là. Chaque morsure, il gagne un peu plus de vie. Il en reste un? Ouais, là-haut. Quoi que ce soit, j'espère juste. Où t'es, mec? Par ici. Ça recharge pas le focus par hasard? Non. Bon, je vais en drainer un pendant un combat et ce sera bon. Au combat côte à côte, qui l'eût cru? L'aigule attaque d'Urtang. Cette diversion va permettre à mes hommes de pousser discrètement le chariot sous le pont. C'est un fin stratège, dis donc. Alors. C'est quoi la suite? Ah, deux fleurs bleues en bas. Vous aurez détruit Duruk en récompense. Les morts grondent sous nos pieds. Ils nous attaquent. Qui ça? Il est descendu? Bouffon. Et ouais, ben maintenant il va falloir remonter. Oh là là. Mes hommes vont protéger le chariot. Dégageons-leur le passage. Tiens-toi prêt, Talion. Le prochain avant-poste sera le plus grand. Et carré. On le prend avec nous. C'est trop calme. Il y a un problème. Serait-ce un guet-apens?
Ils nous attendaient. C'est un piège. Et merde. Hop là. Des Caragor. Un ennemi en remplace un autre. Voilà. Voilà le monument. Un hommage aux ténèbres, construit avec le sang de mon peuple. Je vais savourer sa destruction. Regarde-le bien. Ce monument sera bientôt en miettes. Voilà, Roder. Notre succès dépend de notre capacité à nettoyer l'avant-poste des Uruk. Mes hommes ne pourront pas se poster avant pour détruire le monument. Éliminer 17 gardes, ok. Les rangs des Uruk s'éclaircissent maintenant que j'ai tué leur chef de guerre. C'est bon, t'as arrêté de parler ? Non, on va garder ça pour plus tard, on sait jamais. On devrait tous savoir où t'as rencontré le dernier chancelier. J'en allais devoir retourner. Ah! Où est-ce qu'il est ? Il est plus haut. Quatre. Plus que neuf. Ils sont tous par là-bas. Ouais. Tous par là-bas. Bon, on va falloir sauter, hein. Toi, tu te calmes. Et tu ne vas nulle part. Non mais vous faites pas tuer les gens, laissez-moi tout faire. Porte.
me charge des Uruk. Occupez-vous du chariot d'explosifs. Et hop là, ça va être une boucherie. Continuez d'avancer, aucun Uruk ne vous fera de mal. Merde, je voyais pas où j'étais. Trop de monde. J'avais pas vu un. Ah si, là-bas. Mais derrière le truc. Vite. Allez, Ren. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, c'est pas. Vite le chariot. Allez. Merde, j'ai plus de lance, j'ai plus de flèche. Putain, vite, vite, vite. Allez, putain, on peut le faire. On y est presque, c'est bon. Tu as scellé leur sort. Mon peuple croit qu'il vient de retrouver la liberté. C'est ce que tu leur as dit? Les hommes ont besoin d'espoir. Je leur ai offert ce qu'ils demandaient. Tes hommes ont besoin de leur chef. Gothor le Cruel. Pour ces exilés, il semble que je sois moins un monstre mort que vivant. Les vrais monstres, ce sont la Main Noire et ses capitaines. Le jour où ils reviendront, ces hommes mourront.
Bien, on va se laisser ici pour cet épisode. Il n'y a pas une magnifique vue. Non, là-bas c'est tout noir. On met par ici. Comme ça. Ouais, comme ça. Donc, on va se laisser ici pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, bye et peace, peace.